I see it in my dreams. Night after night, the same house. A thousand sketches, a million hours of research, and finally, I found it. The estate at Echo Bluff. Listen, I need to do this. I'm at the door. See you soon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du Let's Play sur Perception. On reprend exactement là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans cette maison pleine de poupées tarées dont voilà, leur seule envie c'est de tuer des gens, leur créateur ne les contrôle plus, c'est-à-dire Monsieur Bosch, Docteur Bosch, je ne sais plus. Elles ont tué un flic qui venait un petit peu enquêter sur des affaires louches, et bien il a fini au fond d'un puits, plus ou moins. Nick, donc la personne qui reçoit les photos qu'on lui envoie quand on a besoin de voir ce qu'on a en face de nous, vous savez, elle utilise l'appli Visage Amical, quelque chose comme ça, et bien ça permet en fait d'envoyer une photo sur cette application et il y a toujours quelqu'un qui est là pour décrire l'image puisque nous on peut pas la voir. Donc lui était en mode un peu panique vu qu'il a vu que c'était l'eau, le sang, le mélange des deux, où était le cadavre du policier en train de pourrir depuis un petit moment. Donc il nous a proposé de l'aide, mais nous, on n'a rien dit. Day and night I toil because my girls are sweeter than sleep. Angels of my own creation, whatever they need, I shall devise. Ça, on l'avait déjà vu. Et on continue. Donc là, quand on est arrivé la première fois, ça s'est mis en orange. Genre en mode détecté. On ne sait pas ce que c'était. Est-ce que on peut passer? Ok, on peut aller par là. Il y a eu quelque chose qui est apparu ici, genre une poupée ou je ne sais quoi. On peut pas... Non, on peut pas aller. On peut pas se déplacer à l'intérieur, on est obligé de... rentrer ou sortir. Donc hop hop, il y a trop de poupées ici, j'aime pas ça. On n'est pas déjà passé par là d'ailleurs. Oh punaise, j'ai eu peur, le grincement qui m'a fait peur. Ok, on est de nouveau... Ah oui, si, d'accord, ouais, si, on est déjà passé par là, oui, il y avait la chaise qui était ici. D'accord, où est-ce qu'on doit aller? En haut, d'accord, c'est pas réglé. Ce n'est absolument pas réglé. Est-ce qu'ici, il y a eu des améliorations? Normalement, il y a une petite qui nous tend, ouais, un insigne. Bon, alors, ici... D'accord, on est censé aller loin, par là-bas. Bien, on va y aller. Ok, on fait demi-tour. D'accord, est-ce que... On a déjà dû le lire, celui-là. Ouais, à l'époque il était encore tout innocent. Ok. Nous voici arrivés à notre objectif. Ok, merci. J'aime pas quand les portes se referment toutes seules, c'est tellement angoissant. Oh, pop. Ah.
Le rail a été défoncé ici. Ouvrir porte. Ah d'accord, il y avait une porte ici. Il y a... Ah c'est des morceaux... Ouais d'accord, c'est l'entrepôt là où ils mettaient tous les morceaux de rail. Par contre celui-ci a été complètement éclaté, bizarre. Est-ce qu'on peut passer? Oui. Une bouteille de vin, des bougies. Ok, une porte. Pouvoir euphonie. Ouais, si c'était pas mal, hein. On voyait quelque chose au moins. Donc on a une porte ici, l'autre porte, qu'est-ce qu'elle donne? Rien. Très bien. Désolé, je voulais essayer de voir autre chose, mais... Ah, c'était peut-être pour qu'il y ait tout le temps des poupées un petit peu partout, pour que ce soit plus sympa, mais en fait, ouais. Parce que ces filles ont l'air malades, hein, ça c'est clair. Les deux en plus. C'est assez étrange que les deux soient malades en même temps, il y a peut-être eu quelque chose. Alors là, je sais pas où on va, hein. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on va monter dans un palais ou dans un resto, dans un truc comme ça. Ah, d'accord. C'est une salle de... J'avais envie de dire rééducation, mais vous savez, pour aider à apprendre ou à réapprendre à marcher à certaines personnes. Qu'est-ce que ça fait ces filles? Ou alors c'est pour les poupées? Ah, je sais pas. Non, je pense que dans la logique, ce serait pour ces filles, mais... C'est les poupées tarées qui ont empoisonné les petites filles. Ah oh mon Dieu, c'est ces créations qui ont tué ces filles. Ils voulaient faire le bien pour ces filles. Au final, elles ont poussé ces filles. Elles ont empoisonné ces filles. Mon Dieu, mais c'est ouf. Oh, c'est horrible. Du coup, c'est bon, on a fini ici. Oh, elles ont... Elles ont poussé les filles au... à l'empoisonnement. C'est horrible. Oh, moi, je pèterais un câble si j'étais à sa place. T'essayes de faire plaisir à des gens, de créer des trucs et tout, et ce que tu crées tue les gens que t'essayais de. À qui t'essayais de rendre le sourire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, démon, démon, démon. Ne parle pas. Me tire pas dessus en tout cas, ce serait déjà pas mal. Ah. Ouais, donc les poupées sont... Ah, c'est une poupée tireuse, non? Donc là, en fait, ouais, lui, voilà, ses filles sont décédées apparemment.
Et du coup, bah lui, il attend de savoir comment est-ce que lui va partir. On est obligé de passer par là, du coup. Ah non, il monte du doigt. Oh, faut pas que la lumière s'éteigne. Oh, il y a la porte. Oh, pop, 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 pop. Ah, ça y est, les frissons dans le dos arrivent. Ah, mon Dieu. Oh la vache. C'est Bosch. D'accord. I tried to fix things and only made them worse. They are coming. And I do not think I will fight them when they arrive. My husband is a righteous man, but I am afraid his love of God may perhaps lead to the destruction of an innocent. Ok, donc on a fini le chapitre 3 avec la mort de Bosch, l'ingénieur, ou l'espèce d'ingénieur, qui voulait rendre ses filles plus heureuses et qui au final, indirectement, les a tuées. I watched as a crowd of children mobbed her. They squealed as she made the small wooden doll jump and dance, working the strings faster than their eyes could see. It was as though she breathed life into the thing. He was speaking about Susanna again, talking of fire. Then he spoke of how fine her land appears. C'est quoi ce délire? And the woods all rotted. Oh. Chapitre 4. On est avec Face. Et on vient de s'éclater au moins un ou deux étages plus bas. Ok, donc là. Ok, j'ai eu peur. Donc du coup, on va être avec une nouvelle personne. July 19, 1692. To Thomas Durham. You are hereby permitted forthwith to apprehend and bring Susanna Morton in order to her examination relating to high suspicion of sundry acts of witchcraft. The court seeks justice for acts committed by her upon the bodies of Mary Talcott and Mercy Lewiston of Salem Village, whereby great hurt and damage hath been done. Should you succeed, her lands and estate shall be bequeathed unto your family forthwith. Superior Court of Essex County. Oh merde. Is this the original house? Ok, donc là on est dans un délire de sorcellerie. Pouh, après les poupées tueuses, les sorcières, on a besoin de ça. Donc là en plus ça parle de Salem. Salem, il y avait eu un truc comme ça, toute une histoire de. Que c'est quoi ces bruits? C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Il y avait toute une histoire de sorcellerie, une communauté de sorcières, je crois, un truc comme ça. Et il me semble qu'elles avaient fini à peu près toutes au bûcher. Quelque chose comme ça. This homestead still feels godless. I wonder when that feeling of peace shall arrive. Has my savior been delayed in his travels?
Oui, du coup, il y a quelqu'un qui a été nommé pour arrêter Susanna, donc qui a été suspecté de sorcellerie. Et donc, toutes ses propriétés seraient refilées à la personne qui arrivera à l'arrêter. D'accord, donc là ils ont eu de la nourriture, ils savent pas comment, ce qui est bizarre mais pas mal. Disons qu'il y a pire comme problème. Quoique, ah, je You vois que c'est shall des pires not ce truc. starve, oui. Husband, the animals, they take an ill. Ok, donc wow, c'est trop spé, puis ça devient oppressant. Alors apparemment il y a donc Thomas et Faith qui sont ensemble, qui sont probablement mariés et femmes, qui sont dans cette maison là, donc toujours le manoir mais sous une autre forme. Et ils ont reçu de la nourriture et en fait ils ont dû donner d'abord à leurs animaux, chose qui est assez bizarre. Et au final les animaux sont tombés malades, donc c'était de la nourriture gâtée. Quelqu'un aurait peut-être essayé de les tuer. Ou en tout cas de les empoisonner un minimum. Je sais même plus par... je suis un peu perdu là, je l'avoue. Maybe fire would help open the door. Now for some matches. Ah, ça me Okay. fout les boules, ça. Where can I find matches? Près d'une cheminée, peut-être? Ah, il y a une porte ici. That man came by the house again. He calls my healing witchcraft and he leers at my land as if 'twere a woman. I must fortify this place. Attendez, c'est Faith ou Susanna, du coup là je suis un peu paumé, je l'avoue. Faudra voir, faudrait que je revoie. Donc ici, pas d'allumettes. Vu qu'apparemment on doit faire un feu. Il y a une cloche. Ah non, c'est. Ok. C'est quoi faire de la nourriture? Un papier. Attending to this land have been poor at best, disastrous at worst. Seeds cannot take root, and what is left of the crops have sickened and crumbled to dust. D'accord, donc eux sont un petit peu embêtés. Donc, je crois qu'il y a Susanna et Thomas Face. Je crois que c'est deux histoires un petit peu en parallèle, et je ne sais pas. Pas trop quel est le lien, probablement la sorcellerie ou le fait qu'ils étaient pourchassés. J'aime pas trop quand il y a des bruits comme ça là. The sounds that come from these surrounding woods give me pause. Is there a native threat? Or has something foul remained? Peut-être la deuxième solution, la deuxième hypothèse. Une infamie. Alors logiquement comme c'est vert on a déjà dû passer par là mais c'est moins sûr que... Ah. On l'avait vu ça? Du coup j'ai zappé mais... Ah oui. On va remettre. Ok, ça on a vu donc a priori on a fait le tour. Et on doit aller là-haut. Je n'ai pas vu d'escalier par contre. D'accord, là il y a encore. Ah. D'accord, ok, ici il y en avait. Donc là, il y a l'escalier qui va nous permettre d'aller à notre objectif. This place is damned.
And I fear it is of my doing. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Thomas a l'air persuadé qu'il a provoqué la damnation. Ah, une poupée. Formidable. Comme si on n'en avait pas encore assez. Que c'est l'escalier qu'on a pris précédemment, je crois que oui. On aurait fait le tour donc là. Ok. Ok, ok, doucement. Ok, donc là on a fait un tour encore. Ah, une porte qui s'ouvre. Un lit, je crois que c'est un escalier, non, c'est un lit. Faith is not herself. A once peaceful wife is now troubled with fits of unrest at night. She moans. Things I cannot understand. Alors, donc, oui, c'est bien ça. But she is not what Thomas says. Susanna is young, vibrant, with warm eyes and a patient smile. The children in town, they say she can cure their ills. I am not sure whom I believe. Hop, 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 hop. Oh, ça devient dans un délire de fou là. Alors Thomas et Faith, eux sont là. Et Susanna a l'air d'être ici aussi alors. Mais là maintenant il y a un lien entre les deux. Faith, alors Susanna ça a l'air d'être le démon incarné. Faith, elle est très agitée. They have gone to the Lord. Let us keep them tucked in their bed for now. We can sprinkle the hearth's ashes over them until we find a way. No, not children. This goddamn place. C'est quoi, il y a eu des... Ah ouais, il y a eu des enfants qui sont décédés. C'est quoi, avec une maladie, j'imagine? Ou la maison? Ah, je sais pas. Et du coup, j'ai pas compris vraiment le lien. Ah, mais on est là. On a fait demi-tour. Oh là là. J'ai pas compris trop le lien entre Susanna et... Ce serait une enfant. Bon, ok. Ce serait une enfant, du coup, que... c'est quoi le délire là? Regardez ça, c'est un truc de torture ça! Comment ça s'appelle? C'est pas une dame de fer ou je sais pas quoi? Ça ressemble à ça, y avait pas une porte là? On l'a lu ça? Oh lolo! Delphi, text to speech. Illegible. D'accord. Stuff crossed out, circled with weird insignias doodled all over it. It says, items I currently possess, salt, rosemary, and my sachets. Round this house I found a moth in its cocoon and the old skull from grandfather's prized ox. Surely these could serve some purpose. Below that there's a bunch of questions. Too unstable? Do I call the quarters before or after I open the circle? And what of a talisman? Would a doll suffice? I'm guessing this person didn't exactly know what they were doing.
At the very bottom of the page is some sort of poem. Oh, man of God, yet soulless bee. Wow. Hold on a sec. Suddenly I feel like my throat's closing up. I gotta grab a drink, I'll catch you later. Oh, c'est bizarre. En gros, on a envoyé une photo de. Alors, c'est tout un truc qui a. On a l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut comme objet pour créer, pour pouvoir faire un rituel. Il y a l'ordre dans lequel il faut créer et faire réaliser le rituel. Et il y a les paroles pour le rituel. Et en fait, le problème, c'est que Nick, la personne à qui on envoie les photos, a commencé à lire les paroles et ça a eu un effet sur lui, en fait. Ça a commencé à agir sur lui, on lui ressent la gorge. Donc c'est juste que c'est un truc de barré, quoi, en fait. C'est... Will this be enough? I need help. He is coming again on the morrow. And with other townsfolk. De quoi est-ce qu'elle parlait? Est-ce que ce sera suffisant, Susanna? Avec d'autres habitants? Sachant qu'elle a été suspectée de sorcellerie. Oh là là. Eh, c'est vraiment un truc de barré là. Hein. Ça part en délire de psychopathe, puis on voit rien. C'est le but, mais. C'est flippant. On peut se cacher là aussi. Là, c'est uniquement ça. Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on a vu une porte fermée quelque part? Ouais, on va redescendre du coup, désolé, j'utilise l'aide parce que là. We can hold out another few days until the path to the seaside mounts. They did not have to eat those. Quoi? Apparemment ils vont être bloqués ici. Parce que le sentier vers la mer va s'écrouler. Et je sais pas, il parlait de quelqu'un qui a mangé quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une porte. Oh la vache, il fallait s'en souvenir. Ok, ça monte. As the apple tree is anchored to this earth, so shall I root my soul. Protect this land against those who would do harm. D'accord, elle fait des trucs spé. C'est tellement barré. Prendre une allumette. Pour Susanna, petit. Trophée. Petit succès, pardon. Pour Susanna. Donc là, il faut qu'on retourne mettre le feu. Alors, oh là là, c'était où? C'était ici, mais où exactement? Ah oui, là. On était juste à côté. Extérieur. Thy greed will be the undoing of thee. Nothing alive except for that tree. Not for long. I don't fully know what's going on, but that tree's got to go. D'accord.
Bon, et bien puisqu'on a l'air de continuer encore pas mal, on va s'arrêter là. C'est pire en pire, les délires poupées déjà, c'était flippant. Les poupées dans un film d'horreur, c'est juste horrible. Mais là, le délire de sorcellerie, de trucs possédés, de moitié de démons, c'est pas trop quoi, enfin... Mais là, non, de rituels, de machin, mais là, où va-t-on? Où va le monde? Moi, je vais claquer. En tout cas, voilà, l'histoire avance. Donc là, on est avec d'autres personnages. C'est vraiment super sympa, c'est vraiment super bien amené. Voilà, on est toujours en mode... oppression, stress, voilà, ça, y a pas de souci. Et je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Alors, visiblement, elle a un problème contre l'arbre qu'il y a là, le pommier. Elle va essayer de le détruire, mais il est vivant, ce pommier, qui se défend. En tout cas, il se protège. Donc on verra bien où est-ce que ça va nous amener tout ça. En tout cas, j'espère que si cet épisode de fou vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie de commenter, de me réchauffer, de faire en sorte que je me sente moins seul dans ce monde de fou, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les vidéos et je me fais toujours un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez partager également cette vidéo ou d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas aussi, c'est toujours un plaisir et puis ça m'aide à, voilà, à grandir. Décidément, j'arrête pas de taper dans ce truc là. Et enfin, si vous aimez la chaîne d'une manière générale, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours un grand plaisir et vraiment beaucoup de... ça me fait toujours beaucoup de... comment dire, d'émotion de voir que certaines personnes viennent s'abonner sur la chaîne. Pour moi, c'est un gage de confiance et c'est toujours un gros boost de motivation à chaque fois. Ça me pousse à vraiment à continuer à aller chercher d'autres jeux, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce Let's Play de folie. Je vais me décomposer à la fin. Ou d'ailleurs, je crois que je suis pas sûr, mais je crois que le chapitre 4 c'est le dernier à voir. Et donc à très bientôt pour la suite de ce Let's Play ou pour d'autres vidéos. Ciao ciao!